Aujourd'hui, le Conseil départemental du territoire de Belfort est très heureux de signer une convention de partenariat avec l'association Finance et Pédagogie de manière à accompagner les familles qui rencontrent des difficultés sur le plan financier. Vous savez, les départements de France ont la gestion de l'action sociale et dans l'action sociale, eh bien, nous avons le suivi de jeunes qui sont placés en foyer ou en famille d'accueil. Nous avons aussi le suivi des bénéficiaires du RSA, de ceux qui ont été également abîmés par la vie, je devrais dire, avec des accidents liés au veuvage, le handicap, la maladie, la perte d'emploi. Eh bien, ces personnes qui doivent faire face à des situations parfois d'endettement ou de gestion de budget, eh bien, vont pouvoir être suivies par nos travailleurs sociaux, en partenariat également avec les représentants de l'association Finance et Pédagogie, pour, de manière ludique, éducative, accompagner nos familles en difficulté, de façon à les amener à réfléchir sur la manière de gérer au mieux leurs finances, les finances de leur foyer. La signature de cette convention avec l'association Finance et Pédagogie elle sera un vrai plus, à la fois pour nos travailleurs sociaux, mais aussi pour les familles que l'on suit, mais aussi des enfants placés au foyer de l'enfance, placés aussi en famille d'accueil, qui un jour seront aussi des acteurs économiques, hein, qui auront également un foyer à gérer. Et donc, avec ce beau partenariat, on pourra les accompagner du mieux possible. Je me réjouis de ce partenariat qui n'est qu'un début.